Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui nous a donné ton Fils unique pour nous sauver du mal et de la mort, accepte le sacrifice d'action de grâce que nous t'offrons aujourd'hui. Nous te supplions particulièrement, Seigneur, pour ton fils bien-aimé Jean-Marie, que tu as fait être formé dans cette maison et dont tu as revêtu d'une charge nationale. Donne-lui toutes les grâces nécessaires pour son accomplissement. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois les temps de lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Vous me permettrez tout d'abord de rendre hommage à celui sans lequel nous ne serions pas là aujourd'hui. Je veux parler de Monseigneur Paul Etoga, qui a voulu ce séminaire, qui a rêvé ce séminaire, qui l'a réalisé et qui l'a maintenu en vie malgré les difficultés que certains d'entre nous ont connues, malgré des toitures qui se sont envolées sous les tornades. Et Monseigneur Paul Etoga a fait partager ses rêves à plusieurs d'entre nous. Certains sont aujourd'hui prêtres, d'autres sont des laïcs. Et comme disait Gandhi, lorsque plusieurs personnes font le même rêve, il devient réalité. Et nous sommes aujourd'hui devant la réalité du séminaire Saint-Paul de Mbalmayo, qui fait la fierté du diocèse. Et je ne voudrais pas dire qu'on se reporte à d'autres séminaires avec lesquels nous étions en concurrence jadis et que l'histoire a emporté ailleurs. Monseigneur Paul, merci beaucoup. Monsieur le ministre, je suis très content de votre venue ici pour revoir l'endroit qui vous a donné une bonne éducation. Je dis bonne éducation parce que vous êtes enfant de Dieu, baptisé dans l'Église de Dieu. Et je vois que dans votre cœur, vous n'avez pas oublié votre Dieu. Ce qui vous a poussé à venir nous revoir, c'est votre foi. La foi, c'est donc que Dieu nous a donné pour pouvoir faire notre bagage pour nous conduire à la vie éternelle. La foi, comme dit le Concile de Trente, sans laquelle, sans la foi, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. C'est la foi qui nous ouvre la porte du ciel. Et je suis content de voir que vous voyagez dans cette foi. La foi sans laquelle nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu, nous ne pouvons pas la voir tout seul. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pour cela que je vous encourage à nourrir votre foi comme vous le faites aujourd'hui. Vous avez fait dire la messe en l'honneur de Dieu et aujourd'hui, vous avez assisté à cette messe. Et je pense que vos pensées et celles de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu le Père, du Saint-Esprit,
vous ont inspiré d'avoir ces bonnes pensées et vous êtes venu nous encourager. Votre encouragement nous mène vers Dieu. Nous allons maintenant remercier Dieu comme nous l'avons fait pendant la messe. Dans notre vie, nous continuerons à demander à notre Seigneur Jésus-Christ, sans lequel nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu, de nous accorder des grâces qui nous mènent sur le chemin de la vérité. Maintenant, les grâces que nous avons demandées à Dieu, je veux vous donner à tous la bénédiction du ciel, en particulier à notre ministre pour qu'il continue à nous guider sur le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dieu vivant, tu donnes le pain de la vie pour délivrer tes amis de leurs péchés et leur fournir des forces nouvelles. Dirige-nous de jour en jour vers le royaume dont nous avons l'espérance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Spiritus Sanctus.